Ashley. Te voilà. Des projecteurs. Il vaut mieux les éviter. Je dois faire vite. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Merci. Plus c'est grand, mieux c'est, comme on dit. Du moins, c'est ce que je pensais quand j'étais jeune. Elle va pas te faire tuer, hein? Ah! ¡Queremos ver sangre!
Un lance-roquette ? C'est pas bon, ça. A cubierto. Wow, heureusement j'ai le gilet pare-balles. C'est là qu'est Ashley. Ashley ! Ashley ! Ashley, réveille-toi ! Oui, merde ! Tiens bon. Il me faut une carte. ¡Encontrado! ¿Qué vas, Gili?
Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Une affaire bien conclue. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Je te souhaite bonne chance. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. En quoi? Reviens quand tu veux, surtout. Putain, quel genre d'expérience ils font ici? Note d'observation, Regenerador, date 9 avril. Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie. J'ai baptisé cette créature Regenerador. Sa capacité métabolique est exceptionnelle. À moins que tous les parasites présents dans son organisme soient éliminés, ses tissus peuvent se régénérer à l'infini. Date 10 avril. En observant son corps avec une lunette dotée d'un biocapteur, j'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux pour leur hôte, presque comme si celui-ci avait plusieurs cœurs. Ma nouvelle création est pratiquement immortelle. Je suis sûr que même le docteur Frankenstein sera en admiration devant une telle prouesse. Date 13 avril. J'ai informé mon collègue, ce monsieur je sais tout, de ma réussite. Il est devenu pâle. Ensuite, il s'est mis à griffonner des choses dans son carnet. Je pensais qu'il serait impressionné, mais au lieu de cela, il a eu le culot de me mettre en garde sur les soi-disant dangers. Ce type est un imbécile. J'ai tout sous contrôle. Le sujet est devenu fou et s'est échappé de sa cuve cryogénique. C'était moi l'imbécile. Putain, mais c'est quoi ça?
encore. Allez, pourquoi c'est si long? Fuite d'un cobaye. Lors d'une récente pinte de courant, un cobaye est sorti de sa stase cryogénique et a détruit sa cuve avant de s'échapper. Il a été maîtrisé au bout de 20 heures, après avoir fait 7 morts et 19 blessés. L'une des victimes ainsi qu'un outil se trouve encore à l'intérieur du cobaye. Cet incident malheureux est dû à l'instabilité de l'alimentation électrique. Ces générateurs obsolètes ne peuvent pas supporter la cadence intensive de nos expériences. La direction doit donner la priorité aux besoins des ingénieurs par rapport à ceux des chercheurs pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Oh tiens, je peux pas, c'est bloqué. C'est bloqué. Oh tiens, c'est bloqué par un boulon. Il faudrait une clé à molette. Il faut une clé à molette, tiens. Et si on trouve une clé à molette, hey wesh. Oh tiens, une clé à molette. Ça a fait quelque chose? Oh, une clé à molette. Ça s'arrête jamais.
Ashley. Tu vas t'en sortir. Léon ? Pardon, j'ai tardé. Non. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever ? Où est Louis ? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. C'est là que j'irai. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. À charge de revanche. Note d'un chercheur en captivité. On nous a enfermés sans prévenir. 1-1-1. Nous sommes conduits dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils viennent d'emmener Annabelle. Je suis sûrement le prochain. Il faut que je réfléchisse. Je dois garder la tête froide. Toutes les personnes infectées par le plaga sont à la merci de Lord Sadler. S'il leur donne, ils travailleront jusqu'à la mort avec un sourire sur le visage. Le problème, c'est que l'eau devient si simple d'esprit qu'il ne peut pas être utilisé pour des tâches complexes. Cependant, nous sommes parvenus à développer une nouvelle espèce supérieure de plaga. Celle-ci n'a pas de capacité de mutation particulière, mais elle présente l'avantage de ne pas diminuer les fonctions cognitives de son hôte. Apparemment, il prévoit d'injecter cette nouvelle espèce dans la fille, car il est important qu'elle conserve ses facultés intellectuelles après l'infection. Tous les tests ont réussi. Nous avons même prévu de lancer la production de masse. Un succès total, mais on m'a enfermé. Et on se prépare à m'injecter l'espèce supérieure dans la salle d'à côté. Annabelle n'est plus elle-même. Son sourire a complètement disparu. Elle qui était pourtant si heureuse, écrirai la seule chose qui m'empêche de devenir fou, même si personne ne lira jamais ceci. Ça va aller ? Bien sûr ! Je compte sur toi. Besoin de crocheter la serrure. J'ai quelque chose qui pourrait bien te plaire. Bienvenue.
J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Est-ce que... Bienvenue. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Merci. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Elle va pas te faire tuer, hein? Ah! Pas mal, hein? Charge-toi de ça. Ok. Ça va? Ouais, j'ai rien. Laissez le contrôle! Au devant!
Ouais, t'inquiète. Où est-ce que tu vas ? Bonjour, l'odeur. Tu tiens le coup ? Ouais. Si avant, ça m'aurait tué. Merci. On y va au même moment, d'accord ? Compris. Vraiment un amour, toi. T'es pas blessé, j'espère. Non, je vais bien. Ashley. Attends. Bon, on y va au même moment. Ok, d'accord. Impec. T'en occupes ? Pas de problème, laisse faire l'experte. Ah !
blessé? Ça va, merci. Merci. De rien. Alors comme ça, t'as terminé une requête, hein? Bien joué. Je savais que je pouvais compter sur toi. En quoi puis-je t'être utile? Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Ah, je suis prêt à payer un bon prix pour ça, sincèrement. C'est peut-être la seule arme dont tu as besoin. Je te souhaite bonne chance. J'ai plein de... Reviens quand tu veux, surtout. Regarde. C'est l'ascenseur? Si on pouvait détruire ce mur...
une boule de démolition. Laisse-moi faire. Attends. T'es sérieuse ? C'est ça qu'on vous apprend à la fac maintenant ? C'est pas au courant des dernières réformes ? Écarte-toi. Une raclée que vous voulez. Je veux bien vous rendre service. Merde, ils apprennent jamais. Ouais, c'est n'importe quoi, gros. Au devant. Pathétique.
Je crois que t'as trouvé ta vocation. Je me disais, on forme une bonne équipe, non? Sans doute. Peut-être qu'un jour je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre n'importe quoi. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. T'es pas drôle. Transport de l'ambre. J'insiste sur le fait que vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors du transport des dépôts d'ambre provenant du sous-sol du château. Travaillez avec le plus grand respect et la plus grande obéissance. Il est impératif que vous ne perdiez pas le sommeil du corps sacré. C'est sûrement ça dont Louis parlait. Rapport sur l'espèce supérieure. Très cher Lord Saddler. J'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des Plagas est officiellement en cours. Si tout se passe comme prévu, soyez certain que nous atteindrons notre but ultime. Le Plaga est un organisme absolument fantastique à la capacité de vivre dans n'importe quel vertébré, qu'il s'agisse d'un humain, d'un chien ou même d'un corbeau. Ce parasite est unique au monde. L'espèce supérieure est particulièrement impressionnante car elle peut s'intégrer dans son hôte sans endommager le cerveau. Personne ne peut s'opposer à votre domination. Mais d'ailleurs, qui serait assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre? J'en suis la preuve vivante. Autrefois, je n'étais qu'une idiote. Dans quelques jours, j'aurai fini d'administrer le plaga à tous les chercheurs de haut rang. Bientôt, ils sauront. Et lorsque nous aurons accompli votre plan, le monde entier saura. Anabel Garcia Escudero, chercheuse principale. Wow, t'as plein de plagas à l'intérieur. Prosternez-vous.
Ceci est notre corps sacré. Notre divine providence est bientôt. Une profonde bénédiction pour tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmund Sadler, le prophète de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute ? Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce ? Allez, abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur. Espèce d'enfoiré. Opération Javier. Peu de gens ont entendu parler, même parmi les hautes sphères du gouvernement des États-Unis. Et bien évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique. Elle a été conduite en secret avant d'être enterrée. Pour quelle raison ? Tout simplement car elle était trop inhumaine. Tout a commencé en 2002, lorsqu'une petite unité des forces spéciales américaines a été envoyée pour infiltrer une zone d'Amérique du Sud. Leur mission était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fallu plusieurs années pour préparer cette opération et seuls les soldats les plus émérites ont été sélectionnés pour y participer. Je ne sais pas si la mission a été un échec, mais je sais ce qui est arrivé à ces soldats d'élite une fois la mission terminée. Apparemment, l'unité tout entière a été anéantie à l'exception du commandant
le Major Crozor. À part, et pas par les cartels, mais par les États-Unis. Extraire une simple unité ne devrait pas révéler de l'impossible. Un seul hélicoptère aurait suffi, mais pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. D'aucuns disent que cette décision résulte d'une lutte de pouvoir au sein des hauts gradés. Selon d'autres rumeurs, il s'agirait plutôt d'un ordre de l'ancien président en personne. Malheureusement, l'affaire ayant été étouffée, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Mais je suis certain d'une chose, le gouvernement américain a laissé ces gens mourir, de courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger leur pays. Je vais dénoncer ce crime, non pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir en tant que citoyen américain. Note 1. Ce document concerne l'opération Javier et a été écrit par un journaliste américain au nom de on sait pas. Note 2. Cet article ne sera jamais publié. Nous nous sommes occupés de on sait pas. Oh, Léon Scott Kennedy. Je t'attends. Champ de bataille un peu plus loin, rien que pour toi et moi. Plusieurs générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Enlèvement d'Ashley Graham, fille du président des États-Unis. Phase 1. Quitter le campus avec la cible. Escorter la cible comme d'habitude jusqu'au début de la phase 2. Trois autres personnes devront être dans le véhicule, y compris Baker. L'unité d'Abel vous suivra à bord d'un autre véhicule. Conduisez en empruntant votre route habituelle. Phase 2. Arrêtez le véhicule en prétextant un problème de moteur. Transférez la cible vers le véhicule d'Abel. Phase 3. L'unité d'Abel changera de route. Assommez et attachez la cible. Mettez la cible dans un grand conteneur. Phase 4. L'unité de Baker fera diversion. L'unité d'Henry s'introduira dans la base de données de l'organisme en charge de l'enquête et désactivera leur réseau. Phase 5. Rendez-vous au point K9 et chargez la cargaison sur le bateau. Salut, étranger. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'as... Oh, je suis prêt à payer. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Je sais pas quoi améliorer. Hein. Disons, on va améliorer. Tes armes sont en prod à tes pattes, hein. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Voilà. Là, on est bien là. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Fais bonne route.
m'a fait attendre. Le bleu. Ah, oh, tu t'inquiètes pour la fille, c'est ça. Ça te ressemble bien. T'as toujours manqué de discernement. Mais si tu crois que je vais te laisser sortir d'ici vivant, t'es encore plus naïf que je le pensais. Tu peux pas la sauver. Tu ne peux sauver personne. Laisse tomber, Krauser. Être le larbin de ces cinglés, ça ramènera pas tes hommes. Et tout ça pourquoi? Te venger du gouvernement? Tu crois que c'est ce qu'il voudrait? Me venger? Parce que tu crois vraiment que je fais tout ça pour me venger? C'est l'impression que ça donne. Tu vois, dans cette jungle, j'ai eu une révélation. La chose la plus importante dans ce monde, c'est la plus pure et la plus absolue. Puissance. Les Illuminatos m'ont donné ça. T'as toujours été un connard. Mais au moins, t'avais quelques principes. T'avais de l'honneur. Regarde-toi maintenant. Arrête, tu vas me faire pleurer. Prépare-toi à te battre, soldat. Allez, cours, le bleu! Comme si j'avais le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Sois sans pitié! Où est ton instinct? Tu es lent. Et qu'est-ce que tu peux être faible? C'est quoi ça? Je me souviens pas t'avoir appris à gesticuler comme ça. Tu m'as appris à ne pas. Tu veux que j'attaque en premier, on dirait. Tu ferais mieux de te dépêcher. Qui sait ce qui est arrivé à la fille? Tu te souviens de ce combat dans la jungle? On avait bien failli y rester! Suis ton instinct, ne pense pas! C'est la première chose que tu m'as apprise. Inconscient! C'est pas mal en tactique de guérilla. Tu te souviens? Comment je pourrais oublier? Merde. Rien de tel qu'une bonne chasse. Toujours vivant, hein? T'as de la chance!
Je l'accorde. Le fait que t'aies survécu jusqu'à présent mérite d'être sauvé. Je serais mort depuis longtemps si j'avais écouté des mecs comme toi. Au jeu, je viens pour les lâches et les inconscients. Tu es quoi? Bonne question. Je lui demanderai quand je la verrai. Vraiment donné à fond pour moi. J'aurais pas dû. Il fallait quand même bien que je te réserve un traitement de faveur, non? Tu vas pas faire long feu si tu bouges comme ça. Fini, soldat! Tu perds ton sang-froid. Tu fais des erreurs. Ton petit jeu marche pas sur moi. Tu veux pas faire une pause? Ton bras doit te faire horriblement mal. Oublier une plaie ancienne, rien de tel que d'en ouvrir une nouvelle. C'est vraiment ce que tu veux? Ça y est, t'as fini, Krauser? Je te l'ai déjà dit et répété maintes fois. T'as pas le cran de faire ce qui est nécessaire. C'est la différence entre toi et moi, le bleu. Il est temps d'achever. T'as complètement pété les plombs, Krauser. C'est ça, ta vraie puissance? À ta place, je me ferai rembourser. Tu vas regretter d'avoir ouvert ta grande gueule. L'entraînement n'est pas fini. Ta dernière leçon commence maintenant! Non. C'est l'élève qui va corriger le maître. Oh, je te trouve bien confiant. Amène-toi! Est-ce que t'es prêt, le bleu? Ouais. On va faire ça. Je savais bien que tu arriverais jusqu'ici.
pas mal. Mais j'en attendais pas moins venant de toi. Après tout, je suis le mieux placé pour connaître mon potentiel. Quel dommage que tu ne puisses pas voir la vérité. La force, c'est tout ce qui compte. Les faibles ne peuvent rien protéger. Continue comme ça, et il n'y aura plus grand chose à protéger. J'aurais su autrefois. C'est là que tu te trompes. Je ne savais absolument rien. Maintenant, si. Je t'ai bien formé. Léon. Ça, c'est sûr, Major. Ça, c'est sûr. Putain, c'est bien gardé là-bas. Ça doit être leur sanctuaire. Ashley! Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merci. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas?
n'est-ce pas? Je te souhaite bonne chance. Reviens quand tu veux, surtout. Ahí está! A cubierto! Du tout.
Mon gilet. Wesh. Ça s'arrête jamais. Merci. Quand on sera rentré, je peux m'attourner. Je connais un bar cool. C'est ça, garde la tête baissée. En douceur. Putain. Mais... merde. Ah!
jure que tu vas me payer, ça va. Les os de nos frères reposent dans toutes les terres. Le sang de nos frères est dans notre nourriture. Nous mourons seulement pour renaître. Nous vivons pour l'éternité. Notre règne est absolu. Kenan Sadler. C'est quoi ça? Transfert des spécimens. Les réparations se sont déroulées comme prévu. L'installation ayant précédemment servi au confinement, quelques travaux mineurs ont suffi à renforcer l'étanchéité. Et à moins d'un problème lors du test du système de refroidissement, nous prévoyons de faire venir ici tous les spécimens restants au bâtiment 1. Tous les spécimens ont été transférés. Cependant, nous avons rencontré un léger souci lors du transport. L'un d'eux s'est montré violent. Heureusement, il a fait moins de victimes que prévu. Faites preuve d'une extrême prudence avec ces spécimens. Les derniers rapports indiquent qu'ils commencent à acquérir une tolérance aux basses températures. J'entends un jouet là. Coucou mon copain. Oh, un deuxième copain. Vous voulez venir jouer avec moi? J'ai deux copains. Et dehors. Eh, c'est calme, moi j'ai pas votre niveau. Vous êtes mes copains à moi. What? What? Mon aïe, wesh.
Non. Non. Non, lève-toi, c'est pas marrant. Ah, miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Non, vous êtes pas marrant. Ouh. Sans la puissance, ma gueule. No. No. Wow. Je vais crever dans... dans ta propre souffrance, ma gueule. Non, tu m'auras pas. Wow. Wow. Ce sac à dos là. Vas-y, venez là, les bandits. On va terrasser là. Vas-y, crève. Crève dans ta atroce souffrance. Crève dans ta atroce souffrance, on t'a dit. Crève dans ta atroce souffrance. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, toi? T'es chiant, vas-y, lève-toi, wesh. What? Encore? Eh, vous êtes chiant. Et je vais devoir te mettre... Je crève, là. T'as de la chance, j'ai sorti du game. Genre tu m'as eu d'ici en plus. T'as de la chance là. T'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Ça se voit sur ton visage. Bien joué! T'as prouvé que t'étais digne de confiance. En quoi puis-je t'être utile? Ah, mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. J'achète tout et n'importe quoi. Merci. Je te donnerai ça quand t'auras assez de place. C'est pas à moi de dire ça, je sais, mais parfois les choses sont plus amusantes avec des règles du jeu équitables. Tu ne crois pas? Merci. Je te souhaite bonne chance. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Reviens quand tu veux, surtout. J'y suis presque. J'arrive, Ashley. Vilain, vilain, c'est... Suivant.
Wesh. Non. Ashley! Ha ha ha!
Te voilà, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux simplement partager ce don avec le plus grand nombre. Un humble désir, n'est-ce pas ? Vois-tu, nous sommes tous liés par le corps sacré. Maintenant, ta chair, tes os, toutes tes pensées font partie intégrante de nous. Va chier ! Pourquoi rejeter la sérénité alors qu'il te suffit d'accepter ce don sacré ? Comme elle l'a fait. Sangleur ! Ah oui, l'heure est venue pour cet agneau de s'unir à nous. Oh, qu'il soit béni et reçoive la douce miséricorde. Exultons ! Et qu'il en soit ainsi. Léo ! Va-t'en !
Ashley. Ashley. Je suis là. J'ai cru que t'allais mourir. Ça va. C'est toi qui l'as fait. Ouais. Ouais, c'est moi. Tu peux te lever ? Un plan ? Ouais, j'ai trouvé ça. Apparemment, on peut sortir en allant par là. Hé, on est une équipe, non ? Continue comme ça, et je perds mon job. Donc, tout ça, l'élimination des parasites, c'était Louis ? Ouais. On est vivant. Grâce à lui. Méthode d'éradication des Plagas. Il y a deux moyens d'éradiquer les Plagas. L'injection d'antigène et l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite n'a pas encore été éclos, il est possible de l'éliminer en administrant un antigène directement dans le corps. En revanche, dès lors de la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand-chose à faire à part ralentir la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à consister et tuer le plaga en utilisant des rayonnements d'une certaine longueur d'onde. Mais l'opération comporte des risques. Si le parasite s'est accroché au système nerveux de l'hôte, ce dernier subira une douleur atroce et il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. L'extraction est chirurgicale comporte des risques importants, même avant que le parasite ait fini de se développer. Une fois arrivé à maturité, il est trop tard. Extraire le parasite signifie la mort de son hôte. Mais vu ce qu'il attend, de toute façon, la mort est peut-être un moindre mal. Les intentions de Sadler. C'est une erreur de croire que les plagas ne sont que des outils servant à créer de puissantes armes biologiques. Leur véritable valeur réside dans leur capacité de contrôle. Quelle que soit la résistance du sujet, il suffit d'une seule injection pour transformer n'importe qui en un fidèle serviteur. Qui a besoin d'espions quand il est possible de transformer l'ennemi d'hier en allié d'aujourd'hui ? Contrôler ne serait-ce qu'une seule personne importante peut suffire à mettre une organisation, voire un pays tout entier à genoux. La production de masse de l'espèce supérieure a rendu cela possible. Nous avons donné ce pouvoir à Sadler. Il n'y a aucun doute sur ce qu'il compte faire. Que se passerait-il si Sadler prenait le contrôle du monde? 6 milliards de loyaux serviteurs à sa botte. Il n'y aurait ni résistance ni guerre. Peut-être que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde connaîtra la paix. Mais je sais combien Sadler et les autres ont oppressé les habitants de cette île durant des générations. Je sais comment ils les traitent. Ce n'est pas une vie, et il est hors de question que je le laisse faire. L'ambre. Cet échantillon que j'ai appelé l'ambre est resté longtemps à prendre la poussière dans la réserve. Comme nous avions déjà bien assez d'échantillons pour nos expériences, celui-ci est passé inaperçu. À vrai dire, la seule chose qui m'a poussé à le ramener à mon laboratoire, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai vite changé d'opinion. L'ambre possède une qualité tout à fait unique. Bien qu'il soit petit et dans un état de biostase, il contient le même organe que celui trouvé dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler. Une fois pleinement développé, l'ambre pourrait égaler, voire surpasser la puissance de Sadler. Malheureusement, Sadler a récupéré l'ambre avant que je ne puisse faire de plus amples recherches. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer mes recherches ailleurs. C'est le seul moyen de contrer Sadler. Évidemment, je ne pense pas non plus que ce groupe venu de l'extérieur soit digne de confiance, mais je ne peux plus vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. J'en connais un qui s'est servi dans les labos d'Umbrella.
À propos de notre arrangement, de Louis, j'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit et l'heure convenue. Juste pour être sûr, tu vas me ramener et tu vas me faire sortir d'ici si je te donne la marchandise, hein? À propos de notre arrangement, de Albert Wesker, j'espère que tu n'as pas oublié l'ambre. Sans lui, les données ne servent à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant. Alors fais en sorte que je ne reparte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère? Louis, détends-toi, je n'ai pas oublié. Et ne t'en fais pas pour l'ombre. Je vais faire ce qu'il faut. Tu pourrais me prendre un paquet de cigarettes en chemin. N'importe quelle marque fera l'affaire. Désolé. Je t'ai dit, on est une équipe. T'as pris le coup de main? T'as vu? T'es sûr que ça va? Ah, j'ai jamais été aussi bien. Tant mieux. Tout est en ruine. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien? Oh, je m'en fais pas pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. Final Fight. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Bienvenue! Alors, qu'est-ce que t'achètes? Ah! Ça, c'est une valeur sûre! Hé hé! Très bon choix! Je sais, je dis souvent ça, mais je le pense vraiment. Oh, je savais que tu choisirais ça! J'achète tout et n'importe quoi. Merci. Essaie d'y faire attention, d'accord? Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Est-ce que je peux t'aider? S'il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Tu crois pas? Tu sais, j'ai pas toujours ça. Reviens. D'accord, bienvenue. Et voilà, comme tu l'as demandé. Est-ce que ce sera tout? Elle va pas te faire tuer, hein? Ada, baby! Ada.
il essaie de m'appâter. Reste là. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Anna ! Chiné. Tu dois écourter ce rendez-vous. C'est pas moi le problème, c'est toi. Chiné. Chiné. Cool, un lance-roquette. Chiné. Tiens, je crois que ça t'appartient. Prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens ? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. Thank you.
charme. À la prochaine, Léon. Léon ! Elle va où ? J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce... On se tire. L'île va sauter. Elle va quoi ? Elle va sauter. Ok, on se casse d'ici. Ouais. On va enfin rentrer. C'est pas encore fini. Merci. Chiné, ils sont perdus sans leur maître. Chiné. 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 T'en fais pas, Ashley. Vas-y, monte. Quelles les sensations fortes? Carrément. Alors, tu vas adorer ça. Baisse la tête, Ashley. Wouh. Wouah, 19 secondes. Wouh. Wouh. Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Mission accomplie, hein? Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi.
T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez, on rentre. Condor 1, Berchoir à Condor 1, tu me reçois? Réponds. Allez, réponds, s'allumez au moins. Léon, Léon, vous allez bien tous les deux? Mais où est-ce que t'es? Réponds! Je vous présente l'église de Lord Sadler, là où tous les villageois se réunissent pour prier. Je vous présente le village. Ici, c'est le lac, où ils prennent des touristes pour les tuer et grâce à leur corps, nourrir le gros poisson. Je vous présente Lord Ramon Salazar et son papa. Voici les villageois en train de travailler. Voilà quelqu'un qui fait de la musique pour le village. Il y a de la pluie. Lord Sadler. Lord Sadler. Lord Sadler. Rituel satanique et tout, frère. Ah, ça c'est le tunnel où les ouvriers ils travaillent, ils meurent. Ça c'est l'ambre avec le plagas. Ça c'est le cimetière où tous les villageois après leur vieillesse meurent et finissent ici. Et ça, c'est le placard supérieur, ce que recherche Albert Wesker. Aïe aïe. Ça c'est Alda Baby. Passe-le moi. Qui a l'ambre. J'ai ce que recherche Albert Wesker. Excellent. Ça c'est Albert Wesker. Juste une question. Albert Wesker, il est trop chaud. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite. Ça, c'est Léon Kennedy avec Ashley Graham. Ils rentrent en... Ils vont faire Espagne-États-Unis avec la moto des mers. Aïe, aïe, aïe. Non, quand même pas. Voilà, ce jeu a été inventé grâce à Capcom. Si, si, Capcom. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la collègue qui reste sans nouvelles. Excellent travail. Aïe, aïe, j'ai eu un A.
Resident Evil 4. Voilà gros, je me suis fait hack. Ah non, hey, ils m'ont fait du sale gros. Hey, j'aurais jamais dû rentrer dans la maison. Le mec à la tronçonneuse, il était déjà là. Ah non gros. Ah, ce qui m'est arrivé gros, c'est une dinguerie. Ah ouais.